what we'll be doing today is the rehabilitation of the total maxilla, upper maxilla, focusing on the functional, but also on the aesthetic issues that are concerned, that concerns the smile. Okay, there are different ways of approaching this. We'll try to present to you two or three ways of establishing the criterias for a natural smile. Okay, there's a lot of controversies actually with the Hollywood smile and all the proportions that have been enlarged. So we'll try to focus on those things. So we'll, I'm going to start right now by preparing the teeth on the upper maxilla. Dr. Haber will be presenting to you the case, okay? So Pascal, if you wanna, I'm gonna start working on the preparation of the posterior teeth, and when we get to the anterior teeth, we'll probably switch to the camera. Is it okay, Pascal? Oui, maintenant ils vont avoir le laptop. Donc les cadrans postérieurs ont été préparés, les quatre molaires et les quatre prémolaires, d'accord? Et ce qu'on va faire actuellement, c'est préparer les six dents antérieures. Donc là, vous pouvez les voir en direct, c'est beaucoup plus facile à visualiser. Donc voilà, je vais commencer par... Bon, il n'y a pas grand-chose à préparer puisque les dents sont à moitié abrasées, d'accord? Donc ça ne devrait pas prendre beaucoup de temps. Je vais suivre l'architecture gingivale. D'accord. Voilà. Donc je ne sais pas, Pascal, si tu as mentionné le fait qu'on va ouvrir la verticale. Du fait qu'il y a eu une perte de verticale. Et cette ouverture de verticale va se faire aux dépens des dents supérieures beaucoup plus que les dents inférieures, puisqu'elles présentent beaucoup plus d'érosion et d'abrasion. D'ailleurs, vous allez voir ça sur le montage, sur articulateur, et la façon dont on a réalisé le diagnostic workshop, et en conséquence, les provisoires à chaud. D'accord? Donc, j'ai bien voulu présenter un cas total, parce qu'on ne peut pas montrer un sourire juste localisé au niveau des six dents antéro-supérieures. Il faut vraiment y aller parce que le secteur postérieur constitue un élément essentiel dans le sourire. Et on a tendance à oublier cela. Et l'intérêt de faire, ce que vous allez voir plus tard, des provisoires à chaud en une pièce, c'est justement pour pouvoir équilibrer et maîtriser, si vous voulez, la transition entre le secteur antérieur du sourire et le secteur postérieur, suivant des critères bien établis. Donc là, je termine. Comme je vous ai dit, il n'y a pas grand-chose. On était en train de discuter avec Pascal
la nécessité de faire un allongement coronaire. Bon, du point de vue esthétique, il est nécessaire de le faire surtout au niveau du cadran supérieur gauche, comme vous allez le voir plus tard dans la présentation. On était en train de discuter aussi le côté fonctionnel de l'allongement, surtout au niveau des dents antérieures, vu qu'on n'avait pas beaucoup de feral effect. Mais maintenant que je prépare les dents, je réalise que, en fait, je ne sais pas Pascal si vous arrivez à voir, mais j'ai quand même pas mal de structures dentaires qui restent, surtout vestibulairement. Alors je ne sais pas si vous pouvez voir et évaluer ça de chez vous, mais j'ai quand même assez de structures restantes. Bon, il faut aussi signaler qu'on a fait les traitements au niveau des dents antéro-supérieures préalablement, vu que on devait certainement les faire, donc les a fait avant la présentation. Voilà, donc en fait, en palatin, c'est la patiente qui a elle-même établi ses limites cervicales. Je fais pratiquement rien, c'est l'érosion qui a dessiné les limites. Voilà. Ok. Bon, je ne vais pas commenter l'utilisation des fraises. C'est des fraises classiques. Voilà. Ce que je fais, j'enlève surtout les aspérités, tout ce qui est pointu. Je ne vais pas rentrer dans le système canalaire à ce stade. Ça se fera plus tard, dans une étape ultérieure. Voilà. Dans ce cas précis, je pense que je pencherai plutôt vers des faux moignons. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de structures dentaires qui restent dans la partie supérieure. Sinon, c'est peut-être... on ne voit que le tiers cervical. Parce que si je vais utiliser les fiber crosses, je l'utilise surtout lorsqu'il y a un peu plus de structures dentaires. Là, j'ai pratiquement rien. Donc, je vais avoir un poste qui va arriver jusque-là et le reste va être fait en composite. Et n'oublions pas aussi que la patiente est bruxomane. Donc, ça me laisse un peu perplexe quant à la relation entre le composite et le fiber post. On a souvent eu des problèmes où le composite se détachait de la tête du fiber post. D'accord? Donc, là, je suis pratiquement arrivé à la conclusion de mes préparations. Voilà. Donc, ce que j'ai fait lorsque j'ai fait mon wax-up, j'ai planifié, si vous voulez, le plan occlusal inférieur. Et là, vous voyez les marques noires. Ce sont les retouches que je dois faire pour pouvoir aboutir à une occlusion transitoire. Parce que plus tard, évidemment, on va faire aussi une réhabilitation totale de l'arcade inférieure. D'accord? Maintenant, si vous remarquez, les deux centrales inférieures, je les ai reconstruites en cire parce que j'ai établi justement mon plan occlusal. Là où il y avait des excès, je les ai enlevés. Là où il y avait du manque, j'ai ajouté de la cire. D'accord? Et je vais vous montrer le wax-up et en fait les provisoires à chaud qui en ont résulté. Ce sont les provisoires à chaud qui sont le résultat de mon diagnostic wax-up. Et vous allez voir plus tard sur le montage sur articulateur qu'en fait, elles sont en parfaite occlusion. Vous voyez? Donc, les courbes ont été respectées. Et on va discuter plus tard, justement, des proportions en or et de leur application dans l'établissement d'un sourire naturel. D'accord? Donc là, je suis à l'étape d'essayage. Alors, regardez. Ce qui est important dans tout ça, dans cette technique, c'est l'évidement des provisoires. Les provisoires ont été évidés d'une façon telle que il n'y a aucune structure dentaire qui pourrait empêcher le positionnement antéro-postérieur et latéral de ces provisoires. Donc j'ai la liberté en fait, pas totale évidemment, de pouvoir bouger les provisoires vers le haut, vers le bas et un peu latéralement. Mais en fait, j'ai tellement suivi les critères et la préparation des provisoires au niveau du modèle en plâtre que là, elles sont complètement positionnées. D'accord ? Donc,
vous regardez bien, je regarde spécifiquement le contact de ma limite gingivale au niveau des provisoires avec la gencive libre. D'accord ? Et vous voyez que lorsque je les positionne, ils rentrent à peu près à 99%. Maintenant, je vais demander à la patiente, alors j'ai oublié une chose, c'est l'ajustement des dents inférieures. Je vais le faire tout de suite pour pouvoir vous montrer que aussi en occlusion, c'est une technique qui est plus ou moins précise. Donc là, je prends mon modèle en plâtre, je le mets devant moi, et là, je commence à ajuster. Alors, c'est visuel, d'accord, c'est pas très précis, c'est approximatif, d'accord, on est chaud, voilà, voilà. Ok, au niveau des prémolaires, là, la molaire, dans le vertige lingual, la cuspide linguale de la prémolaire, d'accord. Maintenant, je passe à la partie antérieure, évidemment, là, on n'a pas de cire, ça va être reconstruit. Mais là, vous voyez que la canine est en version vestibulaire. Donc, j'ai touché pas mal cette partie-là, d'accord, pour pouvoir récupérer une guidance canine supérieure, d'accord. Là, un tout petit peu, et aussi au niveau du bord incisif, là, voilà. Il me reste à retoucher les molaires. Alors, pour les molaires, là, Khalid, vous devez voir. Voilà. Est-ce que vous voyez ce que je fais, Pascal? Voilà. Je suis arrivé presque à conclusion de ma préparation inférieure. D'accord? Donc là, ce que je vais faire, je vais repousser. C'est bon. C'est bon. Je vais repositionner mes provisoires. Ok. Chouette, chouette, machete. Alors, regardez un tout petit peu si vous arrivez à voir. Ok. Donc, regardez pas très loin de mon occlusion postérieure. Bon, certainement que je vais faire de petits ajustements. Et les ajustements vont se faire aussi aux dépens des provisoires inférieurs, plus tard. Mais là, je peux quand même évaluer la longueur de mes centrales. Ok, d'accord. Ok. Donc j'ai besoin que, au repos, les incisives dépassent, et là vous allez voir avec Dr Hamalian, il faut que les incisives dépassent de quelques millimètres, 1 à 2 millimètres, le bord, la lèvre supérieure, le bord de la lèvre supérieure. D'accord. Donc là je suis pratiquement prêt à rebaser mes provisoires. D'accord. Je vais libérer un tout petit peu les provisoires, parce que j'ai envie de les enfoncer un peu plus. Alors là, Pascal, si tu veux passer à la présentation de Dr Hamalian, alors que moi je suis en train d'ajuster les provisoires, et une fois que je passe au rebasage, je te ferai signe, d'accord? So I'm at the phase of the reline, and you can see how the temporary have been seated all the way. You can see the junction between the acrylic and the gingiva.
So the whole idea now is when we do the reline is not to lose any of those landmarks, okay? And then we'll talk later on about the golden proportion. So I'm gonna do the reline right now, okay? So I'm gonna dry the temporaries and we're gonna switch to the table now. This is the acrylic that I'll be using. Now in the mix, I wanna keep it quite loose because I have a big set of temporaries to reline. Voilà. Now, you can see the consistency is quite fluid, okay? I start with the anteriors because I want the acrylic to run all by itself in the teeth so I don't entrap any bubbles, okay? You have to be quite fast. And this is the reason why I keep the acrylic liquidy. Okay? Pascal, can you see what I'm doing? Is it clear? Okay. No, the saliva will act as a lubricant. Okay? Now, I'm quite generous in filling up the temporary, as you can see, but not to a point where it will overflow on the buccal and the occlusal, okay? This is a crucial point, especially when you're doing such a large case, okay? Now, what I do is I take the air and I try to initially set. Okay, I try to initially, can you see it? And now the acrylic's starting to get a little bit more body, so I can add to the teeth, voilà, on the pontic area. Okay, there you go. A little bit more on the canines. Et voilà. Okay. Now, here it is. Now, you can see that the overflow didn't damage. Voilà. So I'm going to use a brush. I'm going to go quickly here. Okay. Sorry, you can't really see a lot, but that's the nature of the job. It's not very pretty. But the important thing is to remove the excess. Okay, keeping all the landmarks. Okay, voilà. Now, on the palatal, you just have to tap it in. Okay, okay, I will check. Sacré. You see, the occlusion is right on, the temp is not moving. So what I do is I clean up, make sure that everything is clean. Okay, here we go. We're almost done with the reline. Yeah, this is acrylic liquid. Now, what I'm gonna do, I'm gonna start taking it in and out. This is my favorite hemostat. Okay, here we go. Now, I put a little bit of water.
and I seed it back. Okay, and I exert the pressure. See, in and out, the water plays the role of the lubricant. I reposition it. So this is the reline. You can see that I've captured all the margins. The important thing in the reline is to have enough acrylic to capture everything. It's like you're making an impression. See that the details haven't been lost. Okay, so basically the aesthetic, the function, everything has been preserved. And it's all related to the way you make your stent. Okay, now Tishu, if you wanna take over, I'm gonna remove the excess. It's gonna take me 10, 15 minutes, and then we'll come back to the mouth and we'll show you the final result. You can see now what I'm referring to. Everything has been done in occlusion. Now, obviously, there's some work to be done on the lowers, as you can see. But I've established an ideal plane of occlusion on the upper. And maybe tomorrow we'll be working on the lower temporaries. Okay? You can see right here on the left side and on the right side how it has been. Maybe if we can turn her head. Okay. Can you see the plane of occlusion? Okay. On the right side and on the left side. Okay. Now, when it comes to the anterior part, you've listened to all the presentation that were given to you. I'm going to have Dr. Antar take pictures and we'll discuss the aesthetic guidelines once the pictures are projected on the PowerPoint. Bon, je vais vous montrer un peu le sourire aussi. Voilà. Donc, l'important, c'est que la lèvre au repos, on peut voir maintenant, évidemment, qu'elle est un peu anesthésiée. Donc, il y a un peu d'action, mais on peut voir 2 mm des incisives. Bon, voilà le divider, le golden rule divider, the smile line. J'ai pris la largeur des deux centrales correspondent à la hauteur de la centrale. Ça, c'est l'un des repères que j'ai pris en faisant mon wax-up. OK. L'autre repère, voilà. Donc, vous prenez la centrale, elle vous donne la latérale. Comprenez? C'est très facile, c'est très pratique. Bon, ça, c'est des choses que vous pourrez éventuellement faire de façon automatique et visuelle. Mais l'important, c'est de voir l'aspect visuel de la latérale. Ce n'est pas la largeur exacte de la latérale, c'est ce qu'on voit de la latérale. Même chose pour la latérale et la canine. Vous voyez, le compas, l'arête distale s'arrête au niveau de la crête canine. Donc, c'est le côté visuel de tout ça.